tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, donc moi, ça va. ça va. Donc, je reviens avec ce beau temps. Non, chez moi, fait coussi-coussa. Des fois, c'est par averse. Des fois, c'est, le temps se calme. Chez vous, je ne sais pas quel temps qu'il fait chez vous. Mais si vous avez du soleil, profitez-en un maximum. Voilà. Donc, je reviens sur un petit haul Lidl. J'ai fait quelques trouvailles. Donc, pour moi, ça a l'air sympa. Donc, après, voilà, hein, vous en jugerez par vous-même. Pour ceux que ça plaise, que ça puisse plaire, eh ben, écoutez, vous likez, vous partagez, hein, puis vous la commentez. Et pour ceux que ça ne me plaît pas, ben, vous passez votre chemin et vista basta. Voilà. Voilà, par contre, pour ceux que si ça intéresse... si mes contenus vous intéressent, abonnez-vous, c'est gratuit, voilà. Donc, nous allons commencer de suite. Je voudrais vous parler un petit peu du passage sanitaire, et oui. Donc, c'est vrai que dans un sens, oui, c'est pas une obligation de se faire vacciner, mais cependant, ça le reste parce que, bon, ça le reste, entre guillemets. Sinon, vous n'avez pas le droit d'aller dans les bars, je crois, restaurants, le 1er août, hein, le 1er août. Et vous n'avez pas le droit non plus d'aller dans les restaurants, comme j'ai dit, ben, voir les médecins, je crois aussi. Oui. Voilà. Voilà, tout ce qui est rendez-vous auprès des docteurs, hein, soit, voilà, toutes sortes de médecins, voilà. Après, ben, je ne sais pas, moi, hein, donc, pour sûr, j'ai pris rendez-vous. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, vous prenez rendez-vous auprès de votre pharmacie ou ailleurs, hein, voilà, n'importe quelle pharmacie. Vous prenez un rendez-vous et vous notez votre rendez-vous. Nous, on a téléphoné à notre pharmacie de chez nous, de notre commune, et donc on nous appelle. Donc, on ne nous a pas donné de rendez-vous, mais on va nous appeler pour le rendez-vous. Voilà, une fois qu'on nous aura appelé, c'est que bon, il faudra venir. Voilà. Si on fait ce vaccin, c'est pas pour les beaux yeux de Macron, hein, malgré tout, parce que là, voilà quoi, c'est pas pour ses beaux yeux, hein, voilà. Malgré tout qu'il a déjà pris une claque, il lui en faudrait pas mal encore. Bref, voilà. Voilà, donc j'ai dû mettre en pause parce que petite pause café et des biscuits. Voilà. Mais bon. Comme j'ai pas goûté, voilà. Donc, je vais vous présenter mes articles et on est go. Donc, je passe à une boîte de coton-tige. Voilà, donc, hop, comme ceci, comme d'hab, 0,89 centimes, je crois, ou 99, c'est pas cher. Voilà, donc ensuite, je passe à des gels douches. De la marque Tropical Summer, que vous connaissez, je pense, hein, de chez Lidl. 300 ml. Voilà, donc, ça c'est mint. Alors, c'est à la menthe, très rafraîchissant. Et ça, c'est aux fruits, tropical. Je veux dire, voilà, ça sent super bon. Hein. C'est exotique, ça sent super bon. Ah ouais, ça sent les fruits, tout ça. Ouais, ils verront bien, hein, les garçons. Voilà. Ensuite, je passe à une gamme. Alors, vous avez toute une sorte de gamme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas me lancer dans Nature et Best. Donc, 400 ml. Voilà, de la marque Vegan. Comme ceci. Et nous sommes basés sur une 400 ml. Voilà. Et donc, ça, c'est le shampoing. Shampoing huile de macadamia. Voilà, 100%. Pressé à froid. Voilà, pressé à froid. Et ça sent super. Ça sent super. C'est trop génial. J'ai hâte de tester, on verra bien. 2 euros, hein, 2,99 euros à peu près, ou 2,89 euros. De chaque, hein, sur les mêmes gammes. Là, nous passons sur un spray pour cheveux, huile de coco, 100%. Pressé à froid aussi. Voilà. Douceur et fraîcheur pour les cheveux. Voilà, donc c'est comme ceci. Donc à la base, c'est une 150 ml. Voilà, une 150 ml là. Ouais, c'est noté là aussi. Et puis à l'arrière. Donc ça sent super bon, ça sent la coco.
aussi. Ah, ça sent super. Mais ça, vous le mettez sur cheveux soit humides ou cheveux secs. Hein. Voilà, inutile. Comme là, là, vous pouvez en mettre et c'est super. Hein. Donc, on testera. 2 euros et des brouettes. Hein. Voilà, c'est tout pareil. Hein. Donc, après, vous avez toute une gamme. Hein. Vous avez le lait corporel, vous avez la lotion, enfin tout un truc. Bon, bref, moi j'ai pris là, c'est le masque pour les cheveux. Voilà, l'huile de macadamia. Donc, vegan, hein, voilà. Donc, ça nous fait combien ça? 200 ml. Voilà, 200 ml à l'huile de macadamia. Donc, hop, comme ça, on va hop, décapsuler. Juste pour sentir l'odeur. Hein. Voilà. Ah, ça sent super bon. Oh, ah, ça sent super bon. Je vais avoir les cheveux qui vont sentir bon. Ils vont sentir bon, mes cheveux. Super. J'ai pris... ça, c'était en arrivant à la caisse. C'était le dernier qui restait. Ils l'ont fait à 2 euros. Donc, j'avais pris ça en bout de caisse. C'est ce qui restait. Hein. Donc, c'est un gel douche au senteur de miel. Voilà. Donc, à la base, ça nous fait combien? Ça nous fait 300 ml. 300 ml. Et je peux vous dire que ça sent bon, le miel. Pour ceux qui aiment le miel, comme moi, j'adore le miel. Mais alors, ça sent super. Oh, c'est une tuerie, l'odeur. Je vais sentir tout le miel. On n'aura plus qu'à me manger avec. Voilà. Là, il faut bien rire hein, quand même. J'ai pris un spray de la marque Cyan Sun. C'est un spray solaire invisible. 5,99 € je crois. Ouais. Voilà, 250 ml. Et donc, ben, ça protège, hein, non gras, pénètre rapidement, résiste à l'eau. Voilà. Donc, ça sent super bon. Et non, c'est pas gras du tout. Ah, ça sent super bon. Sauf que ça a picoté au nez. Mais je peux vous dire que vraiment, c'est pas gras du tout. Voilà. Et ça sent super bon, mais sauf que ça picote un peu au nez. Voilà. Donc ensuite, là, j'ai pris un maxi format, 50% gratuit. Donc un DOP fabriqué en France, douche crème, un quart un quart de crème hydratante pH neutre. Au parfum de la barbe à papa. Et je peux vous dire que ça sent hyper bon, 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 bon. Voilà. Et donc, ça nous fait 200 ml plus 250 ml offerts qui nous fait 500, hein, 500 ml. Voilà, comme ça. Je peux vous dire que l'odeur, c'est une tuerie. Ah, ça sent bon la barbe à papa. Mmh. C'est comme si on voudrait manger de la barbe à papa. Mmh. Ah, ça sent trop bon la barbe à papa, je vais sentir bon la barbe à papa aussi. Voilà, donc ça, j'ai pris un seul shampoing pour les deux garçons. Voilà, pour hommes, shampoing Estradou, force et volume, cheveux normaux, donc de la marque Cyan. Et donc, ça nous fait 500 ml, donc c'est suffisant hein, et largement. Voilà, voilà, voilà. Je passe à comment? À du Dove x2. Et donc, c'est des compressés. Hein. Donc, compressé Dove original, c'est ce que j'aime bien. Voilà, c'est celui que j'aime. Donc, ils l'ont fait pour 3,99 €. Ils l'ont barré le prix pour 2,79 €. Voilà, au prix de 2,79 € les deux. Donc, ça vaut le coup largement. Donc, un quart de crème hydratante, 48 heures. Non, stop. Non, mais c'est vraiment... j'adore cette odeur. Ouais. Mm. Vraiment, c'est génial. J'adore l'odeur. C'est une tuerie. Moi, j'aime bien. Oh, je me parfume partout avec. Hein. De rien. J'ai pris ceci. Alors, vous en avez toute une série. Vous n'avez pas que celle-là. Vous en avez plusieurs au choix. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Pour 2 euros. Voilà. Ou 2 euros, un peu plus. 2 euros, je crois. De la marque Myomar. Voilà, c'est une éponge pour le maquillage. Vous connaissez toutes, hein, bien sûr. Qui ne se maquille pas, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, c'est confortable. Elle est super. J'aime bien la couleur en plus. C'est super. Regardez. C'est trop génial. Il est biseauté. Juste parfait pour le creux là.
voyez, ou pour mettre le fond de teint, c'est vraiment génial. J'en ai un, deux ou trois comme ça. Ouais, mais là, la marque Miomar, c'est super. C'est génial. C'est super. Vous voyez, j'avais j'avais envie d'aller chez Lidl. Et puis, je me suis dit, allez, pourquoi pas. On va passer un petit temps. Tranquille. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris une série de caleçons comme ça pour mon mari. Donc, là, c'est le comment, c'est la taille. Vous en avez de toutes sortes. Vous avez des M, vous avez des L, vous avez XXXL. Alors, vraiment, c'est plus large là après. Mais bon, là, après, voilà quoi. C'est déjà quand même assez large. Il y en a un bleu clair, un bleu foncé et un noir. Donc, c'est assez confortable. Hein. Voilà. Donc, on verra bien. Il verra. Il verra. Ensuite, je passe alors un corsaire pour femme. Vous en avez au choix, mais avec des bleus. Hein. Voilà, des bleus. Donc, j'ai pris un bleu. Il y en avait des bleus. Voilà. Un 42-44. Voilà, 42-44. Ouais, je ne vais pas arrêter de le dire. Hein. 42-44. Non, mais je plaisante. Hein. Voilà, donc c'est super. J'en ai un bleu très clair comme ça aussi. Ouais, j'adore ces petites choses-là comme ça. On se sent à l'aise dedans. Moi, j'aime bien porter quand je fais mon ménage. Où je me sens bien à l'aise, confortable. Ou quand je suis dans mon jardin aussi. Voilà. Donc, j'aime pas trop parce que ça fait voir un peu le modèle dedans. Bon, je mets avec un petit truc, mais bon. Non, avec un, fou, avec un grand maillot, un grand t-shirt. Ouais, mais bon, j'aime pas trop avec les grands t-shirts quand même. Ouais, mais c'est joli, regarde. Mmh. C'est bien. Pour faire du jogging. Ouais. Voilà. Il y en a qui s'en servent pour faire du jogging. Oui, pour faire du sport, tu veux dire. Ouais, ouais. J'ai pris cette fameuse robe. Voilà. Cette fameuse robe, voilà. Donc, elle est jolie. Elle est très belle. Ouais, 9,99€, je crois. Je la trouve géniale. Voilà, elle est belle. Voilà. Par contre, il va falloir que je la mette en machine et que je la repasse. Hein. Parce qu'elle est bien froissée. Hein. Vous voyez là, le maintien là ici. Voilà, c'est super. Voilà. Vous avez les manches. Voilà, de chaque côté. C'est super. Au niveau de la taille, vous avez ceci. C'est pas facile. Voilà. On a la petite perle. Et puis vous pouvez serrer selon, voilà, comme ça. Et puis après, il y a des volants. Voilà, comme ça. Elle part, en biseauté. Voilà. C'est joli. Elle penche, voilà, avec des volants. Elle est légère, très légère. C'est super, je trouve. Elle est belle, hein? Ouais, elle est vraiment belle. Moi, je l'aime bien. Elle est belle. D'un côté, ça valait le coup d'y aller à Lidl. Hein? Ah ouais, ça valait le coup, ouais. Moi, j'étais contente. Vous avez des robes au choix, mais je ne les ai pas trouvées extraordinaires avec des longues manches. Perso, j'aime pas trop. Bon, après, voilà, c'est chacun, chacun ses goûts. Hein. Personnellement, après, voilà. Je passe à un lot de pinceaux comme ça. Voilà. Donc, il y a 8 pinceaux plus sa trousse. Voilà la série de pinceaux, comme ça. Voilà, comme ça. Bien. Voilà, donc je vais vous dire en quoi ça consiste, hein, mais bon, vous le savez déjà, je pense. Donc hop, c'est marqué sur le côté là. Donc je vais vous dire ça. Hein. Il y a sa petite trousse, hein, bien sûr. Voilà, rose, comme ça, métallique. Comme ça, voilà l'intérieur, comme d'hab, juste pour les pinceaux, hein. Voilà, partir un week-end, partir en vacances, comme d'hab. Donc je vous dis ça, et je vous donc on a le pinceau, comme ceci, celui-ci sert de, comment, de, ah comment j'ai dit tout à l'heure, oh bah ça alors, c'est pas vrai, de précision, voilà,
de précision. Voilà, précision. Comme ça, voilà le bout. Voilà. Vous avez le pinceau biseauté qui sert d'eyeliner. Voilà. Voilà. Après, le pinceau estompeur. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas, parce que... Ouais, estompeur. Non, celui-ci, voilà, c'est estompeur. Celui-ci, biseauté, c'est le pinceau à sourcils. Voilà. Le pinceau eyeliner. Voilà, très fin, là. Pinceau eyeliner. Et le pinceau pour... Ensuite, nous avons le pinceau biseauté comme ça pour le blush. Voilà. Ensuite, nous avons pour l'enluminateur, ça veut dire highlight. Et ensuite, à poudre. Voilà, à poudre. Il est trop génial. Ils font tout même. Avec la marque Myanmar. Voilà, super. Oh, j'en ai plusieurs commandes de la marque Myanmar comme ça. Oh, ouais, j'en ai pas mal, hein, de pinceaux comme ça, de cette marque-là. Voilà, ça nous fait 8 pinceaux plus la trousse. Comme d'hab. Ensuite, j'ai trouvé des masques pour 99 centimes. Donc, pour combien? Il y en a fois 10. Voilà. 10. Ouais, tu l'as jamais fait ça. Ouais. Et always fois 3 fois plus de comment d'absorption, voilà, de protection, voilà, de protection. Il y en a fois 18, donc anti-odeur, anti-fuite, voilà, anti-odeur, voilà, éloigne les odeurs, prévient des fuites. Et éloigne l'humidité. Et oui, voilà. Donc c'est super, la marque always, hein, moi j'adore. Hein. Ça ne mérite pas non plus, donc c'est super. Voilà, sur ce, bah, cette vidéo va se terminer. Conclusion, bah, c'est à vous de la donner. Voilà, si vous avez aimé, vous la likez. Sinon, bah, vous... Voilà, prenez la poudre d'escampette, comme on dit. Voilà, sur ce... À une très prochaine vidéo. C'est vrai que ces temps-ci, je n'étais pas au rendez-vous, au beau fixe. Ouais, c'est vrai. Je manque de temps. En plus, j'ai eu des problèmes, des soucis. Donc, voilà, hein, c'est personnel. Je ne peux pas l'étaler comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Portez-vous bien, surtout. Faites attention. Voilà. Donc, j'espère que moi, pour le vaccin, j'ai peur. Mais j'espère que ça ne laissera pas quelque chose. Parce que déjà, l'année dernière, je me suis fait vacciner contre la grippe. Et je peux vous dire que ça m'a laissé 3 jours KO. Voilà. Simplement pour vous dire. Donc là, j'espère quand même que ça ne me laissera pas quelque chose. Je ne vous cache pas que je les ai comme ça. Voilà, j'ai vraiment les pétoches et j'ai vraiment peur. Donc j'espère quand même que ce vaccin... Ouh, je crains, j'espère pas quand même. Voilà, bon ben, conclusion, profitez du beau temps. S'il fait beau chez vous, chez nous, ben il fait chaud, le temps est lourd, mais c'est, voilà, c'est capoute. Voilà, voilà. Donc, sur ce, à une très prochaine. Je vous fais des gros bisous. Chopez-les. Je vous envoie ce cœur qui défile vers vous. Voilà. Et on se dit à très prochaine. Et je ne vous manquerai pas d'aller vous voir quand même. Voilà. Parce que vous me manquez un peu. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Kiss.